Good morning, allez-y, Daniel Tussra aujourd'hui, le Nishmat, Avram Chayin Orber Ben Fortuné Mazal, et Yedida Bat Esther, si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Temura, Perek Vav, Mishnah Aleph. Kol Asurin, Al-Gabé Al-Misbeach, Osrin Kol Shehen. Harovea, Ve'anirba, Ve'amukse Ve'aneevad, Ve'etnan Umechir, Ve'akil Aim, Ve'atreifa, Ve'yotse Dofen. Eizehu Mukse, Amukse Lavodazara. Hu asur, ou mache alav mutar. Eize hu ne evad, kol she ovdin oto. Hu ou mache alav asur. Ze vaze mutarin ba'achila. La Mishnah nous pose d'abord une généralité qui nous dit que kol ha asurin al gabe a misbeach, osrin kol shehen. Tous les animaux qui sont interdits à monter sur le misbeach, ils ont quelque chose qui les invalide pour le misbéar, eh bien, osrin kol shehen, ils vont interdire un troupeau, même si, un tout petit peu, littéralement, kol shehen, un tout petit peu, ça implique quoi? C'est une expression, en fait, pour désigner un mode de mélange. Dans les lois des mélanges, il y a selon le cas, des fois, on va permettre un interdit qui va se mélanger dans deux permis, ça va déjà être permis. Des fois, ça va être 1 pour 60. Enfin, ça va être 1%, 1 pour 200. Et il y a aussi des interdits qui interdisent kol shehen, même un seul dans plein. Donc, je prends un exemple, par exemple, on va parler du cas d'un animal qu'on a fait de la vodazara avec, d'accord, on expliquera comment exactement, on a fait de la vodazara avec, et lui, il est devenu interdit. Si c'est mélangé dans 1000 animaux, 2000 animaux, 100 000 animaux même, un seul qui est rentré, qui s'est mélangé avec 100 000 à un troupeau de 100 000, animaux, 100 000 bêtes, eh bien, les 100 000 une, tu ne peux plus en tirer un seul pour en faire un korban. Parce qu'ils interdisent, mais kol shehen. D'accord? Et la Mishnah commence à me faire la liste de 9 cas de figure. Et il y en a certains qui seront un petit peu flous, qui seront expliqués dans les 2-3 prochaines Mishnayot, qu'on verra. D'abord, on les traduit tous, qui font, qui sont Arovea Ve'anirba. C'est le même principe, c'est qu'il y a eu un animal qui a eu un rapport avec un homme. Soit l'animal était actif, soit l'animal était passif. D'accord? Rovea, c'est que l'animal il était actif. Nirba, c'est qu'il était passif. Vehamukhtse, vehaneevad. Alors là, c'est deux interdits en rapport avec la Avodazara. Neevad, c'est qu'on l'a fait lui-même Avodazara. On s'est prosterné au mouton. Et mukhtse, c'est qu'on l'a les haktot, c'est-à-dire désigné pour. On l'a prévu qu'il allait être une offrande. Il n'a pas encore été offrande. Le Tifa Tessel rapporte que les moines de la Vodazara l'ont déjà reçu, l'ont déjà préparé, l'ont lavé, ou ils l'ont tondu pour en faire un korban. Donc il a déjà pris, il a déjà été répugné, il a déjà été désigné en tant qu'offrande de la Vodazara. Il y a une prise importante, mais je préfère le dire dans quelques secondes. D'abord, je finis la liste. Ve etnan ou mechir, ça va ensemble, et ce sera expliqué dans la prochaine Mishnah. Etnan zona ou mechir kelev. Etnan zona, c'est ce qu'on a donné, le tribut de la prostituée. On apprendra dans quel type, avec quel type de femme, il a fallu la payer pour la payer. On lui a donné un mouton, cet interdit-là, il a répugné. C'est explicite dans la Torah. L'otavi et nanzona, mechir kelev, kito avat hachem kolosele, quelque chose un peu comme ça. C'est un passage qui est répété dans 2-3 endroits dans la Torah, je crois. Donc et nanzona, c'est le tribut, le salaire qu'on donne à la prostituée. Et mechir kelev, on apprendra exactement, c'est lorsqu'on fait un échange, on échange un mouton contre un chien. Donc le mouton, il va prendre un statut de substitut du chien quelque part, mechir kelev, le prix du chien. Et c'est pas digne, donc il a été répugné par la Torah aussi, on pourra prendre un korban. Ve'akil haim, c'est l'animal croisé. Croisé même entre deux sortes de korban, on a déjà dit, il y a trois familles de bovins ovins qu'on apporte, trois familles de mammifères qu'on apporte. Au Beth Amikdash, il y a les bovins, le gros bétail, la famille des vaches, et chez les ovins, il y a le mouton et les chèvres. D'accord? C'est deux sortes. Et là, il y a quelque chose d'original, c'est que même si tu peux porter un animal de la famille des moutons, ou un animal de la famille des chèvres, mais un croisement chèvre-mouton, c'est invalidé. Ça, c'est kil-haïm, c'est les croisements. Ve'atrefa, on parle d'un animal qui a été, donc nitraf, qui a reçu une plaie, pour laquelle il va être impropre à la consommation. On va expliquer, il y a plein de petits problèmes, ouais, tout au long. D'abord, j'ai envie de traduire la liste, après on les reprendra un peu un par un pour apporter des précisions. Veyot Sedofen,
Donc tréfa, on a dit, c'est celui, donc l'animal qui est plus viable. Et yotzé dophen, c'est celui, littéralement, qui est sorti par la paroi, c'est-à-dire, c'est celui qui est né par césarienne. D'accord? La Torah a insisté, qui va l'aide? Comment c'est dit dans le que c'est la paracha qu'on lit dans les chagim. Shor chesevoez, qui va l'aide? Vaya, shivatim techatimo. Donc il y a marqué là-bas, on insiste sur le pasuk Shor Okesevoez, Shor Chesevoez qui va l'aide, lorsqu'il naîtra, il faut naître naturellement. Un animal qui n'est pas naturellement, qui sort par césarienne, il est impropre à monter sur le Mizbéach. Voilà pour la liste. Après la Mishnah, elle va nous expliquer c'est quoi Moukté et c'est quoi Névad, mais pour le moment, je mets un petit zoom pour apporter quelques petites précisions. Il va falloir préciser la source, mais avant d'arriver à la source, d'abord, je précise. Il y a toutes sortes de. Les quatre premiers cas de figure, par exemple. Qui sont donc l'animal qui a eu un rapport avec un être humain, actif, passif, ou encore l'animal qu'on a fait de la Vodazara, qu'on a désigné pour être une offrande de la Vodazara. Il y a un problème technique avant de commencer d'abord. Le but de la Mishnah, il est de me parler d'animaux qui sont impropres à monter sur le Mizbéach. Or, de manière générale, on va prendre le cas grossier d'une personne qui a eu un rapport avec un animal. L'animal, il est passible de mort. D'accord? La Torah l'a donné un chiyuv skila sur l'animal. Donc il y a un petit problème technique. Tu es en train de me dire qu'il est interdit pour le Mizbéach. On parle d'un animal que de toute façon il faut le prendre et il faut aller le tuer. Tu as changé de sujet, d'accord? On n'est plus sur des Assurim les Gabéa Mizbéach. Donc sur ça il faut expliquer, parce que la Mishnah on a déjà appris ça dans Sanhedrin, je crois, où là, en fait il faut expliquer, non, on parle qu'il y a eu un seul témoin qui a vu qu'ils ont fait un acte avec l'animal, mais de ce fait il est plus passible de mort. Idem pour l'animal qu'on a pris en Avodazara, à la très originale, c'est que ça, on apprenait ça dans Avodazara, dans ma Sechet Avodazara. Un animal, quelque chose qui est vivant, un être vivant, un animal, même si on va se prosterner à lui, on va faire l'interdit de Avodazara, on ne va pas le rendre interdit. Bien qu'en général, si quelqu'un va prendre ce stender, il va se prosterner à lui, il va le rendre en divinité, je sais pas. D'accord? Il y a le stender, il sera interdit à la consommation, interdit d'en tirer profit, il faudra nécessairement le brûler, aller le détruire. À la différence, un être vivant, un arbre planté qui n'a pas encore été coupé, ou encore même un animal, même si on se prosterne, il n'est pas passible de mort, mais malgré tout, il est impropre au Mizbéach. Maintenant, la source des quatre premiers. Alors, c'est lié dans la paracha qui parle des défauts. Il y a là-bas l'utilisateur, elle utilise le passou qui me dit qui moshratam ben mumbam. Moshratam, ils ont quelque chose de détérioré en eux. On apprend Ashrata, Ashrata en Xerashava. Le mot Ashrata, il fait référence aussi, à part les défauts, qu'il a quelque chose de répugné, il est mouchrat, il est mauvais. Alors, il fait aussi allusion à l'Ashrata qui shrit kol basar d'arko à la haaretz. On parle là-bas de Giloy Arayot dans Parashat Noir. Et il y a aussi un autre passouk, Pen tashritun vasitem kol pesel. C'était la paracha de Vaetranan. D'accord? Et donc on voit que le mot Ashrata, il est utilisé pour les Giloy Arayot, pour les mauvais rapports. D'accord? Et pour la Vodaza. Donc de là, on déduit que Moshratam Bahem, qu'un animal qui a eu un rapport, ou un animal qui a été utilisé en tant que Avodazara, ou en tant qu'offrande de Avodazara, alors il est impropre à la consommation. Il est impropre pour le Mizbéach, bien qu'il soit permis à la consommation. Autre précision aussi sur le Moukhtse. Le Moukhtse, alors là c'est un peu nuancé, parce que là le Moukhtse, c'est celui qu'on a désigné pour en faire une offrande. Là, le Moukhtse, si toutefois on a déjà fait l'offrande, alors il devient interdit d'en tirer profit complètement. D'accord? Même si c'est un être vivant. Mais donc là, il faut expliquer en fait qu'on l'a désigné, comme ça le bâtonnerie rapporte, on l'a désigné pour en être une offrande, pour la Vodazara, mais qu'elle n'a pas encore été offrande, mais malgré tout qu'on l'a déjà transmise aux moines de la Vodazara, et qu'ils ont déjà commencé à la laver, ou à la tondre. Donc avec ces actions-là, ils l'ont déjà rendu moukhtse. D'accord? Ça c'est précisé dans le Barthénora. Par rapport à Etnan ou Mechir Kelev, Etnan Zona ou Mechir Kelev, ouais, c'est explicite dans un passouk. L'otavi Etnan Zona ou Mechir Kelev, bet Hashem alokecha, ki to avat Hashem kolose ele, c'est à peu près ce qu'il y a écrit dans le passouk. Ce sera dans Dvarim Chav Gimel. Shoftim, je pense, plus ou moins. Alors, bon, on expliquera ça, ce sera bien, bien plus détaillé, longuement dans les prochaines Mishnayot. Regardez, Mishnah Bet, ce sera Ezeu Etnan, et Mishnah Gimel, ce sera Ezeu Mechir Kelev. Et ça continuera même aussi sur Mishnah Delet, je crois. Exact. D'accord? Donc, on verra ça plus dans les détails.
Ve'akilaim, c'est le croisement. On a bien expliqué que même si c'est deux sortes qui sont permises, chacun indépendamment, les moutons et les chèvres, malgré tout, si on a un croisement, un bouc qui s'est accouplé avec une brebis, eh bien, on les a, le petit qui va naître, il sera impropre pour le misbéach. Il sera caché, il n'y aura aucun problème, mais il sera impropre pour le misbéach. Ve'atrefa, là, il y a quelque chose d'important à préciser aussi, c'est que le tréfa, on parle d'un animal qui n'est pas viable. Mais souvenez-vous de quoi on parle. Le sujet de notre Mishnah, il n'est pas juste de me dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apporter en tant que korban. Le but de la Mishnah, elle me dit que s'il se mélange, eh bien lorsqu'il va se mélanger, il va interdire même s'il se mélange dans 1000 comme lui. Or, il y a un problème. Tréfa, c'est quoi? On parle de quoi? Qu'il est tréfa, il n'est pas viable. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a une plaie qu'on réussit à voir, je ne sais pas, hein, il a un trou dans l'estomac, il a un trou dans le ventre. Eh bien, tu l'as vu. Tu continues à le voir, ça veut dire quoi qu'il s'est mélangé? S'il y a. Est-ce que c'est possible que. On va prendre un cas un peu bête, mais ça aide. Ça aide d'être bête. On va prendre un cas où on lui a arraché l'oreille. Il se mélange dans le troupeau. Alors, c'est pas le peine de me donner des halakhot que ce que je vais faire lorsqu'il se mélange dans le troupeau. Cherche le mouton qui a plus d'oreille. Bon, avec l'oreille, on ne devient pas taref. Mais imaginez que c'est la même chose. S'il a. Excusez-moi. Puisqu'il est vivant et tu remarques qu'il n'est pas viable, tu vas voir c'est qui. Même s'il a avalé une aiguille. Et à cause de ça, il s'est peut-être perforé le poumon. Ou le. Peu importe. Fais-le en corban, apporte-le en corban, et là-bas, lorsque tu vas l'ouvrir, tu vas voir, est-ce qu'il a, il a pas un trou dans les tripes, dans l'estomac, dans où tu veux. D'accord? Donc, c'est quoi un cas de tréfa qui se mélange? Alors, celui-ci, spécialement sur la tréfa, il y a un cas particulier, en fait. C'est qu'un animal qui s'est fait agresser par un autre animal, une bête féroce, un lion, ou. Je ne sais pas quel type d'animal, c'est des notions qu'on apprenait dans Choulin que j'ai oublié. Il y a des animaux qui ont une sorte de poison dans les doigts. Le RS Nahash, comment ça dit? C'est pas grave. Il y a des animaux qui ont une sorte de. Le serpent, il a du venin. Il y a des animaux qui ont une sorte de venin un peu dans les ongles qui font que lorsqu'on va recevoir un coup de griffe, ce coup de griffe, il va faire qu'ils vont mourir au final. Alors que d'autres animaux n'ont pas ça. Il y a des animaux que oui, des animaux que non. On avait expliqué qu'on avait appris dans Choulin que c'est une réalité qui n'existe plus tellement à notre époque, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en tout cas, c'est des choses qui existaient, qui sont mentionnées dans la Gemara. Soit c'est des sortes de bactéries qui vont faire que ça va tous s'infecter, je ne sais pas. D'accord? Mais en tout cas, il y a des animaux qui l'ont et des animaux qui l'ont pas. Donc maintenant, si on se retrouve avec un mouton qui a pris un coup de patte, dans le ventre, du coup de griffe plutôt, dans le ventre, soit d'un lion, ou qui s'est mélangé dans d'autres qui se sont pris un coup de patte de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, le chat par exemple, je ne connais pas. Parce que le chat, il va s'arrêter ou non. Ils sont mélangés maintenant. On voit que tous les deux, ils ont tous. Donc on ne sait plus le reconnaître. C'est ça qu'on parle. D'accord? Donc tu n'es plus capable de le reconnaître par l'œil. Alors sur ça, il va interdire tout le troupeau. Et on continue encore avec Yotz Dofen. Donc celui-là, on l'a déjà expliqué. C'est quoi son origine? C'est celui qui est né par césarienne. Yotz Dofen, celui qui est sorti par la paroi, littéralement. Et la Mishnah commence maintenant à reprendre les cas de la Mishnah. Parmi les 9 cas, ceux qui ne sont pas assez clairs, qui sont en l'occurrence le premier, Mukhtse Veneevad. Après, on va s'occuper de Etnan et de Mechir Kelev. Mukhtse, Ezeu Mukhtse. C'est quoi le Mukhtse que tu m'as dit que c'était l'offrande? A Mukhtse la Avodazara, celui que tu as désigné, prévu pour en faire, pour l'apporter en offrande de Avodazara. Alors, la Mishnah m'enseigne, sache que Hu Asur, Omashe Alav Mutar. Lui-même, il est interdit, mais ce qu'il a sur lui, c'est permis. C'est-à-dire, je m'explique. Quelqu'un, il avait mis plein de bijoux sur son taureau ou sur son mouton pour en faire de la vodazara, pour l'offrir en offrande de la vodazara, d'accord? J'imagine qu'il y avait des usages païens qui devaient décorer le mouton avant de le sanctifier, donc il lui a mis dessus des bijoux. Et la question maintenant de la Mishnah est de savoir, est-ce que les bijoux sont interdits? La Mishnah me dit pour le moment, tant qu'il a juste été mouxé, que tu l'as pris en offrande, alors lui-même il va avoir un interdit, mais l'or qui est dessus, pour le moment il est permis. Il est permis d'en tirer profit, bien sûr, d'en tirer profit, parce que même l'animal, tu peux en tirer profit pour le moment, puisqu'il n'a pas encore été offrande. Mais même pour l'offrir au Beth Amikdash, tu pourras l'offrir au Beth Amikdash. D'accord? L'interdit de Mukhtse, ça concerne que les animaux. Parce que pour le moment, ça n'a pas encore été une offrande concrète. Lorsque ce sera une offrande, il n'y aura plus rien à faire. Il faudra les tuer tous les deux. Et l'or le détruire, c'est la Tikrovet Avodazara. Mais tant qu'il n'a pas encore été offrande, alors l'animal lui-même, il a été interdit, mais tandis que les bijoux qui sont dessus, ils sont permis. Pour le moment, à offrir au Beth Amikdash. Tandis que Ezehu Ne'evad, et c'est quoi le Ne'evad qui a été servi,
qui a été transformé en Vodazara, qu'on a expliqué que lui-même ne devient pas interdit à en tirer profit, on a le droit d'en tirer profit. Mais pour le Misbéar, il a été défendu. Alors la Mishnah enseigne « Kol she'ovdin oto » tout animal que l'on a servi. Et dans ce cas-là, « Hu uma she'ala vasur » lui et tout ce qu'il a dessus, ça devient interdit. C'est-à-dire même si on l'a décoré, on lui a fait des cornes en or, on lui a mis des belles gourmettes, ou je ne sais pas, des colliers, eh bien tout est devenu interdit à la Vodazara. Et le Tiferet Israël nous rapporte, alors, la Mishnah continue en me disant « Veze vaze mutarim ba'achila » et les deux seront permis à la consommation, c'est-à-dire les deux, celui qui a été mukhtse ou ne'evad, comme ce qu'on a dit, on a le droit de les manger, les animaux, ils sont juste interdits à être offerts au misbéach. Mais ils sont permis à la consommation pour le moment, parce que la tikrovet, le mukhtse, on ne l'a pas encore offert, et le mouton, l'animal, il ne sera jamais interdit de toute façon. Si on l'a rendu lui-même à Vodazara. Mais sur ça, il y a une petite discussion un petit peu entre le Maché Alav, les Hediot Nami Asur. Est-ce que, que la Mishnah, en fait, non, ça sera porté sur le Ou Maché Alav, sur la Vodazara, qui me dit que, bien évidemment, lorsque tu les prosternes devant l'animal, lui-même, il est permis à la consommation. Mais les bijoux qui étaient dessus, alors eux, ils sont interdits à en tirer profit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov U'Seyah.